C'est magnifique. Je vais vous expliquer c'est quoi une Pouvoir réparer adresse. le réseau de l'imprimante parce que j'ai pas pu encore imprimer. Ça, c'est le Wi-Fi qui déconne. Tu peux réparer le wifi maintenant. Alors, pour l'adresse IP, on va ouvrir une page Excel. Faut faire un point sur l'adresse IP pour que vous pigiez qu'est-ce que c'est en fait. Parce que sinon ça va être très compliqué. Tac. Donc, une adresse IP. Tout le monde connaît l'adresse IP de base. 192.168.0.1. C'est l'adresse IP que tout le monde a chez lui. On va pas rentrer en détail sur pourquoi c'est 192, pourquoi c'est 168, pourquoi c'est 0.1. Il y a une raison, mais on s'en fout. Est-ce que je peux faire ça? C'est pas grave. On va pas faire comme ça parce que ça va me perturber. 192.168.0.1. Ouais, je préfère ça. À l'adresse IP, il y a toujours un masque de sous-réseau. Toujours. Toujours. Et j'étais le premier, hein, quand je suis arrivé le premier jour, on me dit masque sur réseau. Je me suis dit, mais quoi ça sert ces putains de 3 séries de 255 qui me sert à rien, qui me cassent les couilles et que je comprends pas à quoi ça sert. Et en fait, c'est la chose la plus utile de son adresse IP. Donc, pour ça, il faut comprendre c'est quoi une adresse IP. Une adresse IP, ça permet, comme vous le voyez sur Packet Tracer, ça permet de relier un ordinateur à un autre ordinateur via son réseau. Donc, l'adresse IP est composée de deux choses. L'adresse du réseau, c'est-à-dire la ligne, l'A4, l'A4. Et sur cette A4, il faut choisir la porte d'entrée, ou plus une rue, voilà. Tu habites telle rue, tu habites rue Aristide Briand. Ton ordinateur est le numéro 4 de la rue Aristide Briand. Ton réseau, c'est Aristide Briand. Ta porte, c'est 4. Et donc, tu veux aller du 4 rue Aristide Briand au 5 avenue des Glandus. Il faut passer par le routeur qui va t'expliquer où est l'avenue des Glandus. Donc, ton avenue Aristide Briand, c'est une partie de ton adresse IP et c'est le numéro 4, le numéro de ta rue, le numéro de ta porte, le numéro de ta maison, c'est une autre partie de l'adresse IP. Et pour différencier qu'est-ce qui est le numéro du réseau et qu'est-ce qui est le numéro d'hôte, c'est le masque de sous-réseau. Donc quand on dit 255, 255, 255, 0, ça veut dire que 192, 168.0, c'est ta rue. C'est ton adresse de réseau. Et le 1, c'est ta porte, c'est ton PC, c'est le numéro de ton hôte. Alors, maintenant, pourquoi 255? Tout simplement parce que l'adresse IP est codée en 4 octets. Comme vous le savez, octet, c'est 8, hein, donc ça veut dire que c'est codé en 8 bits. Donc 4 octets, c'est 8 bits. Donc les 4 octets de l'adresse IP qu'on a au-dessus, c'est 255, 255, 255, 0. Et en 8 bits, ça donne... Alors 1 bit, qu'est-ce que c'est un bit? Alors un bit, ça vient vraiment du fin fond de l'informatique, c'est... Toutes nos données sur Internet, ce sont des bits. Tout ce qu'on s'échange, c'est des bits. Si tu enregistres en bits, une bit, c'est quoi? C'est 1 et 0. C'est le binaire, tout simplement. Pourquoi? Parce que les tout premiers équipements informatiques des années 60, bah les bits étaient représentés par des ampoules. Voilà. C'était un ordinateur 16 bits, ça veut dire qu'il avait 16 ampoules sur lui. Quand il y avait une ampoule qui était allumée, le bit, il était à 1. Quand l'ampoule était éteinte, le bit était à 0. Et avec ça, il faisait plein de trucs. Rassure-moi, t'es pas en train de balancer ton adresse. Non, ça c'est l'adresse domicile que tout le monde a. La tienne aussi, c'est cette adresse-là. C'est pas l'adresse publique, c'est l'adresse privée. Donc, quand toutes les bits sont à 1, les 8 bits sont à 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quand les 8 bits sont à 1, ça fait un total de 255. On va voir ça après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 0 parce que le reste est à 0. Et là, ça va me faire chier, ça. Ça va marcher avec un point devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà.
Donc pourquoi 255? Une bit est toujours catégorisée de la même façon. Les 8 bits, c'est fait. Bon, faut les prendre à l'envers. Donc on va prendre une case, regardez. Première bit, deuxième bit, troisième bit, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième bit. Les 8 bits. Et on va les prendre à l'envers. Parce que ça se lit à l'envers. C'est ça le truc le plus casse-couille, c'est que ça se lit à l'envers. La bit la plus à droite, c'est la valeur la plus faible. C'est une valeur qui équivaut à 2 puissance. C'est de l'informatique. Hein. Toutes les valeurs informatiques, c'est 2 puissance quelque chose. C'est le binaire. C'est une base de 2. Donc 2 puissance 0, ça fait 1. Ok, vous suivez là? Attendez, je vais mettre ça sur la droite, ça sera plus simple. Merde, vous ne voyez pas là. Attends. Voilà. Donc 2 puissance 0, ça fait 1. Donc ensuite, bah, c'est pareil. Hein. 2 puissance 1, ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 3, ça fait 8. 2 puissance 4, ça fait 16. Si vous êtes rétro gamer, tout ça devrait vous dire quelque chose si vous êtes rétro gamer. Hein. Donc 2 puissance 6, 64. Et donc la dernière bit, c'est 2 puissance 7 égale 128. C'est nos valeurs de bits. Tout ça va changer avec le quantique. Oui, voilà, c'est le problème de. Bah, pas le quantique, mais déjà l'IPv6 en hexadécimal, le cerveau il peut plus analyser. Alors que l'IPv4, le cerveau peut le comprendre. Ça, c'est nos bits. Donc voilà, on s'en fout. Voilà. Chaque valeur de bit est forcément toujours la même valeur. C'est-à-dire le premier 1, c'est toujours 128. Le deuxième, c'est toujours 64. Le troisième, c'est toujours 32. Le 16, c'est toujours 16, le 8, c'est toujours 8, et ainsi. C'est toujours, toujours pareil. Donc si j'ai un masque, par exemple, si j'ai un masque, par exemple, en 255 points, 255 points, 240.0, ça veut dire que le premier octet, tout est à 1. Et d'ailleurs, regardez, hein, si tu fais égale 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, 255. C'est pour ça qu'on dit que la valeur d'une bit maximale est 251. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le 0 est compris. Donc en fait, il y a 256 valeurs possibles entre 0 et 255. Donc, pour revenir à là. Avec une adresse IP de 255, 255, 240. 0 en binaire, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas, et là ça va être des 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là c'est 240, il faut que ça fasse 240. Donc 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8. Ça doit faire 240. Après, de toute façon, c'est automatisé, hein, tout le bazar. Plus 64 plus 32 plus 16 plus 8. 248, donc c'est avant. Donc ça s'arrête au 16. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, en binaire, ton masque. Vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi? Tout le monde a suivi? Mais ce qui veut dire que, par exemple, je prends 192, 168.0.1 au hasard, et donc on lui met le masque slash 29, slash 29. Alors le masque slash 29, ça veut dire qu'il a un masque de sous-réseau en slash 29, en CIDR 29. Ça veut dire une adresse IP. Quand l'ordinateur reçoit les données, il y a un passage dans les bits, dans le flux de 0 et de 1, il y a un passage qui est une série de 1. Une adresse IP, une adresse réseau, c'est toujours une suite contiguë de 1. Donc quand tu as une grosse part de 1, c'est ton adresse réseau. Donc si l'ordinateur il reçoit au hasard 1, je tape au hasard, 0000000, tu comptes le nombre de 1. Donc là il y en a. Attends, vous le voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 19 1.
Ça veut dire que en binaire, ton adresse réseau c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point 8, 8, 16. Et j'ai dit 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est-à-dire, voilà, ton masque de sous-réseau, ça donne ça. Donc les 8 premiers à 1, donc c'est forcément 255. Les 8 suivants sont à 1, c'est forcément 255. Et dans le troisième octet, il n'y a que 3 1 d'allumé. Donc 3 1 d'allumé, c'est 128 plus 64 plus 32. Ça fait 192. Et 200 plus 32, 228. Moi, les calculs mentaux, ça fait 128 plus 64 plus 32. 224. Donc. Mais non. Voilà. 224.0. Ton masque de sous-réseau. C'est ça. Donc le masque de sous-réseau, si là c'était en slash 19, le masque de sous-réseau, ce serait 255, 255, 250, 224.0. Je vous rappelle que tous ces calculs se font à une telle vitesse que je ne sais même pas si on peut la calculer. Non, y a pas, c'est ultra, ultra instantané. C'est-à-dire que t'envoies ton adresse mail ou n'importe quoi à New York, c'est arrivé. L'ordinateur, il a calculé l'adresse IP, il a envoyé le paquet, il a envoyé ton mail, il a recalculé là-bas, il a décanté, il a désencapsulé, c'est un vrai bordel. Donc, on va repartir sur mon truc de, par exemple, 29. Pourquoi on fait des masques de sous-réseaux différents? Pour faire des réseaux différents. C'est-à-dire que si je fais 192, 168.0.1 avec un masque de 255, 255, 255, 0. Et à côté, j'ai une machine qui fait 192, 100, 168.0.200, je m'en fous, avec le masque de 255, 255, 255, 0. Ces deux ordinateurs-là signifient qu'ils sont sur le même réseau. Ils sont sur le 192, 168.0. C'est leur réseau. Si ces deux éléments correspondent, ils sont sur le même réseau, ils sont censés pouvoir se pinguer et communiquer. Maintenant, si je rajoute un troisième réseau, 192, merde, 192 point, point 100, putain, point 168, point 0, point, j'en sais rien, 250 avec le masque, 255, 255, 255, point 248. Ça veut dire qu'ils sont sur 256. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'octet. Attention. Hein. Attention. 248, c'est peut-être un peu abusé. Parce que 248, on arrive à. Ouais, c'est ça, c'est du slash 29. Ça veut dire qu'on a découpé le quatrième octet. Il y a une partie pour les autres et une partie pour le réseau. Ça veut dire que pour connaître l'adresse réseau, il faut connaître le nombre de machines possibles. C'est-à-dire qu'avec un masque de 255, 255, 255 plus 248. Donc attends, on va vérifier combien ça fait que je me rate pas. Hein. 128 plus 64 plus 30. Après, tu le fais de tête. Ça, au bout d'un moment, tu le fais de tête. Plus 8. Vas-y, ça. Donc ça s'arrête là. Donc c'est 8. Ça veut dire qu'il y a 8 adresses possibles sur ce réseau. D'ailleurs, je suis con, tu fais. D'ailleurs, la méthode, c'est 256 moins 248. Putain, mais si je fais pas égal, ça marche pas. 256 moins 248. C'est ça. Tu prends ta valeur maximale de ta bite. La valeur maximale de ta bite, 256, et tu fais moins 248. 8 adresses possibles. Tu as 8 adresses qui sont adressables avec ce type de masque. Et en fait, tous les 8 adresses IP. Tu changes de réseau, c'est-à-dire que tu peux mettre qu'un total de 6 machines, parce qu'il faut garder une adresse pour le réseau et une adresse pour le broadcast, tu peux adresser que 6 machines sur ce réseau. Et après, tu changes de réseau. Donc, par exemple, hein, j'ai pas calculé précisément, mais par exemple, par exemple, des machines qui sont en 250 à 256 se verront, celle qui est en 258 ne verra pas les autres machines, elles seront sur un autre réseau. Donc c'est très pratique pour diminuer les réseaux, les risques, la sécurité et tout ça. Et faire des économissements, des économissements? Des économies d'adressage IP. T'as compris? C'est tout con, hein? Mais ça m'a traumatisé pendant 2 ans.
Et tu peux le faire différemment, tu peux le faire différemment, tu peux faire deux. Si tu fais deux. Oui, c'est ça, deux pu... Enfin, t'as une autre méthode, tu fais deux puissances. Putain, elle est où la puissance? Voilà, deux puissances. Donc 32 bits maximales de ton adresse IP moins le CIDR. Le CIDR, c'est ton masque. Donc là, le masque, il était en 29. Moins 2. Et donc tu fais 32 moins 29. Putain. 32 moins 29. T'es en 2 puissance 3, tu vois. 2 puissance 3. T'as bien 8 adresses possibles, mais il faut en garder une pour le broadcast et une pour le réseau. Le broadcast, je vais pas aller dedans pour l'instant. Je vous expliquerai peut-être un moment. Mais c'est important. Il y a deux adresses qui sont importantes où on ne peut pas adresser d'adresse IP. C'est l'adresse de réseau forcément et l'adresse de broadcast. Si vous êtes perdu dans le chat, dites-le moi. On reviendra dessus. Je pense que vous êtes plus clair pour l'adresse IP. Une solution simple pour retenir l'adresse IP, c'est de renoter les bits, tout simplement. Puisque c'est toujours, toujours, toujours la même chose. C'est facile, hein. Tu pars de 1, tu fais x2, 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 x2. Basta. C'est tout. Et en bas, bah, tu mets les définitions en binaire. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. En binaire, ça te donne ça. Donc si on te dit slash 17, un masque en 17, c'est la 17e bit qui va s'arrêter. Donc tes deux premiers octets, donc c'est 8. Et 8, ça fait 16. Donc ça sera sur ton troisième octet, qui sera ton octet de modification. Et donc tu arrêtes à 16, donc c'est 1. Donc ça te fera 255, 255 et une bit, donc 128.0. Donc en slash 17, ça sera ce masque-là. Ça va, l'adressage IP, j'ai plutôt assez compris. Hein? Non? Non? Mais moi, j'ai pas réussi. C'est vachement simple, c'est vachement amusant en fait. C'est vraiment amusant. C'est vraiment amusant, je trouve. Merde, je vais le garder. Ça pourrait me servir. Bon, ça a marché. Il est quelle heure? Encore un peu. Alors, open sample. Non, open. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme routage? De toute façon, après, c'est du routage statique. Qu'est-ce que j'avais fait? On avait fait quoi dans celui-là? Voilà, là, on avait fait un routage déjà un peu plus complexe, tu vois. Là, on avait fait un routage, tu vois, déjà. Non, c'est câble croisé. C'est très amusant, c'est très très amusant. Bon, on va essayer de faire celui-là et on va se quitter sur PacketTracer, on ira sur VMware. Ok? D'abord, pour éviter de se planter, on va partir sur un truc d'attaque. D'ailleurs, je vois que j'ai déjà des trucs d'attaque, on va les utiliser tout simplement, on va les utiliser. Ah, now we were talking. Yeah, baby. Oui, c'est amusant pour un Serbe, peut-être. Non, c'est très très amusant. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi amusant le réseau pour l'instant, hein, parce que là, c'est vraiment. Là, je te dis, on a 2 semaines, hein, 2 semaines de formation. Ça, on l'a vu en 3 jours. 3 jours, il y a 10 jours. Tu vois, je m'en souviens encore assez bien. Ouais, pour l'instant, ça va. Bon, donc là, c'est le réseau 10. Donc, c'est là. Ça, c'est un switch. C'est un switch. On va le mettre sur ce réseau. Ça va marcher si je le mets sur ce réseau-là, non? Oh putain! Oui, on va les mettre sur ce réseau-là. Donc les deux ordinateurs qui sont là, on va les mettre sur le réseau 192.168.10.0. Donc 192.168.10.1. Ça marche. Ok. Tu vois, et j'ai noté slash 24, ça veut dire que le masque il est en 255, 255, 255.0. C'est-à-dire que c'est la 24e bit qui est la dernière allumée. Et donc ça fait. Bah 8, 16, 24.
Et la gateway qu'on va créer sur le routeur, ça sera la 192.168.10.2. Putain, va falloir, point 10, hein. On va pas se mélanger, point 10. Donc le CERN DNS, ça va être ça. Et avant de l'oublier, je vais le noter, hein. 192.168.10.10. Ça va être la gateway et le port principal. Hein? Hein? Faut vraiment que je l'apprécie pour regarder. Non mais je l'ai dit, hein, pas de jeu vidéo, si vraiment ça t'intéresse le réseau, sinon il n'y a aucun intérêt. Hein. Mais moi pour l'instant, je suis content. Ça me plaît énormément, ma formation professionnelle. Ça, c'est le gateway. Donc, lui, on va lui mettre 180, 192, 168, 0.2, 192, 168.0. Donc, la passerelle, c'est 10. Merde, j'ai mis 10, 10? Pourquoi j'ai mis 10, 10? Je crois que c'est une erreur. Ah, si, si, c'est 10, 10, ouais, putain. C'est 10, 10, parce que le réseau c'est 10, 192. Ah oui, mais attends, alors je fais des conneries moi depuis tout à l'heure. Parce que du coup, ça peut pas être 10, ils vont pas être sur le même réseau, tu vois, faut que ce soit absolument sur le même réseau. Et le réseau c'est 192, 168, 10.2, et le point 2 c'est le numéro de l'hôte. Du coup, là je vais vérifier. Ah bah là je l'ai mis, tu vois, là je l'ai mis par défaut. Donc c'est bon. Donc le routeur, on va déjà allumer le routeur. On va déjà régler le routeur pour qu'il affiche vert. Enable. Alors attends, ouais c'est bon, vous le voyez. Config. Alors, enable R1. Merde. Putain, hostname. R1. Enable. Mets un password. Et donc, on ouvre. On doit être le premier, j'imagine. Ça va être le 0-0 à tous les coups. J'espère. C'est con, il n'y a pas un raccourci pour voir. Attends, il y a forcément un raccourci pour voir. Pour voir où elle est branchée, la minou, là. C'est lequel qui est branché? Phase 0, phase 1. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui part du switch. Parce que de toute façon, si je fais undo show ip int, ça va me mettre la même chose. Ouais, ça me met juste le truc. Comment savoir lequel est le branché? Il y a sûrement un truc pour savoir lequel est le branché sans que je coupe le cordon à chaque fois. Ouais, tu sais. Hein. Tac. Donc attends, je le mets sur le 0,3. Et là, je le mets sur le 1,0. Donc c'est le 1,0. Interface FA 1,0. Donc IP add 192 168 10 10. 155 255 255. No shut. Et on sauvegarde. Là, on est bon. On va ouvrir le de ce côté-là. On va ouvrir de ce côté-là. Juste que je le fasse de mon côté, c'est quoi le but de la maquette? Alors là, ce qu'il nous avait dit, c'était c'était que le routeur d'ici envoie. Non. J'ai oublié le terme technique, Cortec. Mais en gros, que ce routeur-là envoie pas avec une adresse, avec une IP route statique, mais une IP route en 0000000. Et que ça envoie. C'est un truc comme ça. Hein. Et du coup. C'était pour qu'on comprenne les histoires de 0000. Ouais, route par défaut, voilà, c'est ça.
C'était pour qu'on comprenne les histoires de route par défaut, en fait, tout simplement. Et donc, l'autre, alors l'interface. Ah oui, mais alors putain, c'est quoi l'interface encore? J'aurais dû les noter. Il y a sûrement un truc pour savoir c'est quoi, mais bon, c'est pas grave, on fait comme ça. Donc, FA00, FA00, ok, c'est en 00 des deux. Donc, ici. FA00. IPAD 192.168.20.10. Merde, le masque. Voilà. No shot. Et on sauvegarde. Voilà, on va l'allumer de l'autre côté. Donc là, j'ai mis .10, donc là, on va mettre .20, tout simplement. Hein. On va pas se faire chier. Donc, enable config t hostname, on va lui changer. Host R2. Enable. Ça fait un peu Boris l'invincible! Mais pour lui, ça va être un autre niveau. Donc, ensuite, interface FA00, j'ai dit. Qu'est-ce pas, wesh? PA de 192.168.20.20. Mais non, le masque! Ok, vache. No shut. Do right. Voilà, eux ils sont connectés. Les deux routeurs sont connectés. On va essayer de tout connecter et on va faire le routage après. Ok? Donc lui, ça va être simple. Il va être en 192. Voilà, j'ai déjà noté l'adresse réseau. Voilà, l'adresse réseau elle est là. 192.168.40.0, c'est l'adresse réseau. Donc lui, il va être en 192.168.40.1 avec le masque 255, 255, 255.0. C'est-à-dire que l'adresse réseau, c'est 192.168.40. Et l'adresse de l'autre, c'est 1, qui peut aller de 1 à 254. 0, c'est l'adresse réseau. 255, c'est l'adresse broadcast. Et donc la gateway, ça sera 192.168.40.10. Et pourquoi 10? Tu peux mettre n'importe quoi, c'est à toi de la définir. Juste que tu t'en souviennes, parce que pour le routeur, justement, il faudra que tu lui dises que la passerelle, c'est ça. Et donc, intérieur. Ah, mais merde, c'est quel, oh, c'est quel câble? Chier. Non. C'est 1-0. Ok. Donc c'est l'interface FA10. Donc IP adresse. Donc elle, son adresse IP, ça va être l'adresse de la passerelle, justement. C'est par là où l'ordinateur va prendre sa porte. J'ai 10, j'ai dit 10. Hein. J'ai dû me rater un truc. Ah, c'est ça, pourquoi ça va marcher? IP adresse. Ah, il y a 2D à adresse. Donc on achète et on sauvegarde. Pourquoi la passerelle? La passerelle, c'est tout simplement la porte. C'est-à-dire que lui, avec son adresse IP, 192, 168, 40.1, je crois que j'ai mis. C'est son adresse à lui. Il sort sur le réseau. Et il tombe sur une porte. Et sa porte pour accéder aux autres réseaux, c'est tout simplement le 192.168.40.10. C'est la porte d'entrée au réseau en fait. C'est l'ordinateur va utiliser cette porte pour accéder au réseau. Mais c'est pas pour ça qu'il va voir les autres réseaux. C'est-à-dire qu'il va arriver dans un carrefour géant, il y a des routes partout. Il n'a aucune idée d'où il doit aller. Donc il est paumé. Donc en fait, si là, si j'essaie de pinguer. Si j'essaie de pinguer le premier laptop, je sais plus ce que j'avais mis, je crois. J'attends. Ping 192.168.10.1, je crois. Ça marchera pas. Parce que lui, il a envoyé sa connexion au routeur. Il est rentré dans le routeur, il est content. Il y a plein de routes partout, mais il n'y a aucun panneau qui lui indique où sont les autres routes. Tout simplement. Et où sont les autres réseaux.
C'est ce qu'on va faire après avec l'adresse, avec la table de routage. On va dire à chaque routeur où sont les autres routeurs et où sont les routes. Et donc le but de cet exercice, c'était de ne pas faire en sorte que ce routeur-là, je lui mets manuellement, il va connaître ce routeur-là, il va connaître ce routeur-là, il va connaître ce routeur-là, ensuite aller sur ce routeur-là et lui apprendre que ce routeur-là existe, que celui-là existe, que celui-là existe, puis ensuite aller à celui-là et lui dire que celui-là existe. Le truc, c'est de lui apprendre que, ils font des routes par défaut, c'est-à-dire que lui, qui est sur le réseau 192.168.10, il a envie d'aller sur le 172.17.0. Eh ben, en fait, on va lui mettre une table de routage qui dit que si tu cherches le 192.168.20, c'est là. Si tu cherches autre chose, c'est tout droit. Tu vas te démerder. C'est le but de la manœuvre. Ça, c'est fait. Normalement, quand c'est vert, je peux les pinguer. Hein. Je le ping pas par, mais normalement, je peux les pinguer. Et là, c'est par switch, et donc là, on va juste lui faire celui-là, comme ça, il sera sur le routeur, et après, il n'y aura plus que les routeurs à configurer. Ça va être Tandax. Donc lui, il est sur l'adresse réseau 172. Mais tu sais que grâce à... J'avais un gros souci chez moi, c'est que impossible de mettre en réseau. Avant la formation, j'ai passé 3 semaines à essayer de mettre en réseau mon PC et mon Mac. Pouvais plus, je cherchais des tutos sur Internet, je comprenais rien. En 3 jours de formation... Je les ai mis en réseau, j'ai tout compris, j'ai vu où il y avait le bug. C'était magnifique. Magnifique. Donc attention, là, le réseau, c'est 172.17.0.0 slash 16. Slash 16, je vous l'ai dit, ça veut dire qu'il y a 16 bits qui sont allumés, le reste est éteint. Donc 16 bits qui sont allumés, 16 bits qui sont éteints, puisque l'adresse IP est en 32 bits. Ça veut dire tout simplement que c'est la moitié. Donc slash 16. Donc le masque, c'est 255. 255.0.0. Et la gateway 172.17.0.10. Bon, 17. Merde. Bah! 172.17.0.10. Ça, c'est l'IP de l'autre. Après, je vous conseille, c'est vraiment de noter tout sur un cahier. Parce que moi, quand je fais l'exercice, je note soit tout sur un Google, soit tout sur un cahier, quoi. Donc la passerelle, c'est 10. Lui, c'est 1. Donc on va configurer le routeur ici. On va couper le câble. Non. F00. Donc c'est pareil. Enable. Enable pour entrer en mode admin. Config T pour entrer en mode super admin. Hostname pour le changer le nom, on va mettre troisième routeur. C'est pas obligé, mais on peut lui mettre un mot de passe. Et donc j'ai dit quoi? Oh putain, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Tu vois, l'idée de noter, c'est pour ça que je suis extrêmement, extrêmement tête en l'air. C'est pour ça que je note tout. Tout sur un papier. J'ai juste à regarder mon papier. F00. J'ai juste à regarder mon papier et ça passe tout seul. FA00. Oui, au début, n'empêche, quand j'ai commencé le stream, ça faisait 10 jours que j'avais derrière moi, je tâtonnais, et là, tu vois, en à peine une demi-heure, je trace quoi. Attends, j'ai pas encore parlé du scope. Attends, même moi, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas ce que c'est encore le scope. Qu'est-ce que j'avais dit? 10? Ouais, j'avais dit 10. Donc attention au masque, hein. Là c'est 255, 255.0.0. On l'allume, on sauvegarde. Ça c'est bon. Ensuite, ces deux-là. Ces deux-là. Donc ça va être. Attention, il faut retenir là. 1-0. 1-0. On va les mettre sur le même truc, comme ça pour se rappeler, c'est plus simple. Donc, int f10 IP IP add. Alors, paquet de traceur pour ceux qui se posent la question, il est gratuit. Vous allez juste aller sur paquet de traceur, le télécharger, vous inscrire gratuitement sur le site et il est gratuit. Si vous voulez vous amuser à refaire le réseau de chez vous. IP adresse.
Alors c'est 172. Donc là, je vais connecter ces deux routeurs-là. Je vais connecter ces deux routeurs-là. Donc eux, ils sont sur le réseau 172.16.0.0. Donc 172.172.16.0.10. Par exemple. Toujours en slash 16. No shut. Et on va configurer l'autre. Ce réseau-là. Donc c'est. C'est un 0, hein? Ouais, je crois que c'était un 0. Lui, je l'ai pas, j'ai pas encore configuré ce routeur. Enable, config. Mais non. Config T. Je vais y arriver. Voilà. Enable secret. Donc host R4. Interface F1.0. IP adresse 172.16.0 merde, .0.20 en 255. Ah, ça va pas marcher? Ah, mais il y a deux DA adresses. No shut. Et on sauvegarde. Pourquoi il se voit pas? J'ai dû me rater à quelque part. Ah. Alors, où est-ce que je me suis raté? Pourquoi il se ne voit pas? Ah, attends, je crois que j'ai mis un câble droit. Non, cancel. Ah, c'est ça. J'ai mis juste un câble droit, fallait un câble croisé. Et les derniers, ils ont la fibre, carrément, ils se font pas chier. Ah tiens, là, je l'ai noté. FA4, FA4, tu vois là, je l'ai noté. Donc, on va configurer ce réseau-là. 192, 168, 30.0 en 24. Donc, c'est pareil, hein. Enable. Config T. Quoi? Vas-y, c'est bon. Interface FA40. IP adresse donc 192 168.30.10. Pourquoi j'ai réfléchi? Bah, t'étais allumé? Il était allumé. Alors, interface F4A, IP adresse 192, 160, mais non, 168.30.20. Et on sauvegarde. Tout est ouvert. Mais je peux toujours pas me pinguer, c'est-à-dire que le PC qui est là ne peut pas communiquer avec celui-là, ils peuvent pas communiquer entre eux. Parce que les tables de routage n'ont pas été effectuées. Et donc maintenant on va essayer l'IP route par défaut. Parce que si je dois dire sur tous les trucs, je devrais venir ici et je devrais faire. Je devrais faire password. Ah oui, password, c'est vrai. Password. Config T. Si je voulais faire manuellement, je devrais faire IP route 192 168 20.0 255 255 255.0 FA 1A, je crois. Ensuite, 192 168 30.0 255 255 255.0 FA 1 et ça sur pour tous les routeurs. De toutes les configurations possibles. Donc 1, 2, 3, 4 routeurs, tu fais voilà, 4 puissance 4, tu vois un peu le nombre de puissance de manipulation que tu as à faire. Et donc en fait, c'est de faire des routes par défaut. Et donc. Alors, attends. Donc c'est la 20. C'est 00 qui est sur la 20.
Et donc en fait, on va essayer de faire en sorte que IPRoute, si tu cherches un autre réseau, eh ben, tu vas sur FA0.0. C'est ça, hein? Attends, avant de faire des conneries. Ah, c'est ça. Si tu cherches un autre réseau, tu vas là-bas. Tu sors par cette porte et tu te démerdes. C'est l'idée. Je sauvegarde. Merde, comment j'ai fait? Non, 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 qu'est-ce qu'il me fait? Mais non. Merde, je suis parti où là? Est-ce que ça marche? J'en ai aucune idée. On va essayer. Alors attends, par contre, lui, je suis obligé de lui dire un truc. Alors attends, le 40, il est connecté sur la 1. Et la 20, elle est connectée là. Voilà, il connaît la 40, il connaît la 20, il connaît la 30 qui est là. Il connaît pas la 10, il connaît pas cette route-là. Donc lui, on va lui faire une IP standard. Donc IP route. Si tu veux, la 192 168 10.0. Ah merde! Je me suis raté dans mon IP. Ah bah non, non, c'est bon, j'ai mis par défaut. Donc tu passes par là, avec le masque 255, 255, 255, 255, 0. Et j'ai oublié encore la sortie. Tu sors par. Tu sors par la 20. Et la 20, c'est F00. FA00. Et on sauvegarde. C'est aussi simple que ça. Là, je suis à Paris. Là, c'est Marseille. Je sais pas aller à Marseille. Mais je sais aller jusqu'à Lyon. Et donc, je vais jusqu'à Lyon. Et à Lyon, je fais, ah tiens, il y a un panneau pour Marseille. C'est le principe des routages. Et ça, c'est fait instantanément à l'échelle mondiale. Et c'est ça qui est magique. Tu dis que tu envoies un email à ton copain qui est à New York. Le paquet, il sait faire tout ça en claquant des doigts. Sur les milliers de routeurs qu'il y a à travers le monde, il arrive à trouver son chemin. C'est quand même dingue. Alors, attends, on va tester un test de ping. On va essayer déjà de pinguer là. 192.168.20.10, je crois que j'avais mis, non? Qu'est-ce que j'avais mis là? Mais non, lâche-moi. 20.10, c'est ça. Mais il arrive pas à pinguer. Est-ce qu'il arrive à pinguer ici déjà? Ici, c'est le 20-20. Ah si, il a réussi! Ah oui, c'est vrai qu'il faut attendre. Oh, putain, c'est vrai qu'il faut attendre. Et voilà. En fait, la première fois. Vous avez vu là, il y a deux paquets qui sont tombés par terre. Ils se sont paumés, mais il a fini par trouver la route. Et après, au prochain ping, il a enregistré la route. Il sait la route où il faut aller et il se perd plus. Donc ça marche. Est-ce que dans l'autre sens ça marche par contre? Vu que c'est une route par défaut. Alors. Ping 192.168.40.1. C'est ça que j'ai mis? Ouais, c'est ça. Et là, tu croises les doigts. Chacun sa route, chacun son chemin. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que de se dire que c'est fait instantanément. Et il se trouve! Magnifique. En plus, j'ai du Barbara Streisand là dans les oreilles, je vous dis pas, là, c'est génial. Donc ça, c'est bon. Et donc, lui, on lui a dit que la 10. C'est simple, hein. Donc lui il est parti là, il fait putain mais c'est où Lyon, bordel de merde? Bon, je suis allé jusqu'à Marseille. Tu sais aller jusqu'à Marseille? J'en sais rien, mais il y a une seule route disponible, démerde-toi jusqu'au prochain carrefour et tu trouveras. Et le prochain carrefour, il lui a dit bah Marseille c'est par là. Et il est redescendu. Et donc lui, il connaît la 10, il connaît la 20, 40, 30, mais il connaît pas la 16 et la 17. Et donc on va juste lui dire, on va essayer. Juste de lui dire, écoute mon gros,
On va essayer de lui dire. Attends, alors déjà c'est quel truc? Donc la 30 c'est. C'est F4-0. On va essayer de lui dire. Écoute gros, si tu cherches le. Si tu cherches autre chose, tu passes par F4-0 et tu te démerdes. E, quand même, faut leur indiquer, hein, parce que voilà. Lui, qu'est-ce qu'on va lui faire à lui? Bah lui, on va juste lui indiquer la 30, on va lui indiquer la route principale, la route vers le principal. Alors, hyperroute. Donc lui, toi, si tu cherches la 192, 168, 30, 0, tu passes par 255, 255, 255, 0. Putain! Et donc il passe par la 16 et la 16 c'est 1.0. F1, 1.0. J'y crois pas, mais on va essayer. Lui, c'est quoi? C'est 17.01. Ok. On va essayer. Alors, ping. 172.17.0.1. Et à mon avis, il va se perdre à un moment d'endroit. Parce que j'ai du mal à indiquer un truc. On peut l'accélérer. Ça marche pas. Alors où est-ce qu'il bloque? Est-ce qu'il voit la 30 déjà? Merde, attends. Putain. Est-ce qu'il sait aller jusqu'ici? Est-ce qu'il sait aller là? Là, normalement, il devrait pas avoir de soucis. Hein. 30-20, et là, c'est 30-10. Il devrait pas avoir de soucis pour aller jusqu'à 30-10. 12.68 plein 30-10. On va l'accélérer. Il arrive même pas jusqu'à 30-10? Ah bah bon, y a un sacré souci là. Et la 30-20, il doit falloir la faire quand même. C'est son routeur. Donc c'est il y a un problème ici. Alors, do show IP route. Il la connaît en plus, elle est là. Ou alors il bloque. Oh, you should come. Lui, il a quoi là? Attends. Config T ado show. Lui, il connaît que ça? Ah oui, peut-être le problème est là. Bah non, non, de toute façon. Voilà, je lui rajoute ça. Mais non. Ok. Attends, donc là. Il arrive à pinguer ce PC là. Est-ce qu'il arrive à pinguer 30 points? Putain, mais je crois que j'oublie. C'est quoi ici? C'est 30 points 20. Et 30.10. On va voir où est-ce qu'il se bloque. 30.20. Bye, Cortec. Ça marche. 30.10.
Ah, ça marche, ça marche. Donc 30.10, c'est bon. Ah bah c'est bon, là, ça devrait marcher, là. On va aller plus loin, on va faire étape par étape. Merde, non, mais non, mais non, mais non, j'ai débranché le câble. On va faire étape par étape. 172, 16, 0, 20. Putain, j'ai débranché le câble, maintenant, ça déconne. Ah, c'est bon, c'est bon, il a retrouvé la route. Donc j'avais dit quoi, 16.20? 172.16.0.20, c'est ça. On va accélérer. Il l'a trouvé! Bah, je crois que c'est bon, hein. Je crois que l'exercice est réussi. On va directement essayer de pinguer l'ordinateur là. Donc c'est 17.1, on va essayer. Ping 172.17.1. Bye Nostalgic. No, you. J'ai Rick Astley, Never Gonna Give Up. Ouais, autour d'un Mont Colombo, c'est clair, ça sera super. Ah, il a du mal alors. Non, il veut pas. Alors, où est-ce qu'il bloque? Est-ce qu'il arrive là déjà? Donc là, c'est quoi? 16-0-10. 72. 16-0-10. Ah, il a du mal, hein. Ah mais attends, mais je crois que c'est un problème de routage. Il n'arrive pas à atteindre ce routeur-là. Non, celui-là. Non, celui-là. Donc il n'arrive pas à atteindre ce routeur-là. Donc il arrive à atteindre là. Enable password. Ah mais ah oui mais ça passe par 4.0 mais là c'est plus 4.0 alors attends. C'est 1.0. On va essayer. Mais non mais ça devrait fonctionner puisqu'il la connaît forcément la route. Si j'arrive à. Attends. Aïe 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 aïe. Si j'arrive là à pinguer le 0.20, c'est ça que j'ai pingué? Non ben non. Le 30-10. Est-ce que j'aurais pingé le 30-10? J'ai un doute maintenant. 192.168.30.10. Ah, il le ping, donc il arrive là. Est-ce qu'il ping la porte de sortie? 172.16.0.20. Ping 172.16.0.20. Il ping la porte de sortie. Ok, donc c'est vraiment à l'arrivée de l'autre côté alors. Donc il y a vraiment un souci de l'autre côté. Et là c'est 172. Merde. 16 010. Est-ce qu'il arrive à faire ça? Donc c'est là qu'il bloque. C'est là qu'il bloque. Salut Rof! Ah ouais, ça me manquait, c'est clair que ça me manquait. Pourquoi il passe pas? Je vais lui faire une IP manuelle. On va voir. Attends. IP route.
Attends. Donc s'il cherche la 17, c'est sur la 16, il passe par 1-0. C'est ça, 5-17-0-0 par F1-0 sur la 16. Pourquoi ça marche pas là? Prendre problème à l'envers. T'arrives où, toi? Je t'envoie du courage dans ce truc que je comprends pas du tout en me refaisant l'OST de Life is Strange. Salut l'autruche! Est-ce que j'arrive à pinguer ça déjà? 172, 16, 0, 20. Est-ce que j'arrive à le pinguer lui? J'arrive à le pinguer. Donc j'arrive à aller jusque-là. 172, 16, 0, 20. Est-ce que j'arrive jusqu'à ce PC-là? 192, 168, 41. 192, 160. Merde. Merde. Ping. 192, 168, 41. Mais qu'est-ce qu'il a mon clavier? Point 168, point 40, point 1. Oula, non, il y a un souci là. Il a un souci de routage. Le problème est quelque part dans ce routeur. 16-0-20. Problème est quelque part dans ce routeur. Il arrive à rentrer. 192-168-30-10. Est-ce qu'il arrive sur la porte de sortie? Ping 192-168-30-10. Mais c'est pas possible. Ah si, ça y est. Il vient de trouver la porte. Donc il a trouvé le 30-10. Donc normalement, il va arriver au 30-20. Voilà, il est arrivé au 30-20. Alors pourquoi d'ici, il ne saurait pas aller jusqu'au PC? 41. On va voir s'il touche la porte déjà, 40-10. Mais non, pas 172. Destination host unreachable? Qu'est-ce qu'il me fait? Y a aucune raison. J'ai dû me rater quelque part. Tu essaies de regrouper un réseau de PC? Ouais, c'est ça, ouais. Mais y a un problème entre les deux routeurs là. Il y a une espèce de mésentente bizarre. Et j'arrive pas à déceler où est le problème. Ok. D'accord, et j'aurais même pu aller dessus. D'accord. C'est quoi ce beans? J'aurais même pu aller dessus. Ah là, j'y arrive. Sur celui-là, mais celui-là, il a pas envie. Oh non, j'ai le temps, j'ai la flemme de tout reconfigurer. Mais si lui, il y arrive à y aller.
10, 20, 30, 40. Ouais, normalement, il n'y a pas de raison. En une heure, t'avais plus de lignes de code que les gens de Mass Effect, c'est clair. Mais j'ai dû me rater quelque part, mais alors là, pour s'y retrouver. C'est pour ça que quand vous faites un truc comme ça, vous faites vraiment un plan de route sur un papier. Ta 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 ta, vous notez tout comme ça, quand vous revenez, c'est beaucoup beaucoup plus facile pour savoir où est l'erreur. Parce que là, pour retrouver où est l'erreur. Là, pour retrouver où est l'erreur, mais laisse tomber. On va changer, il est quelle heure? Bon, encore un peu le temps. C'est samedi. On va changer, je vais vous montrer VMware. On va essayer de faire un petit réseau sur VMware qui est beaucoup plus gourmand et beaucoup plus réaliste. Enfin, on a des vraies machines. Et celui-là, je reviendrai au calme demain. Si vous avez la solution, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. J'espère que ces petites vidéos sur... bah, si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, c'est vraiment chapeau. On fera du paquet de traceurs quand j'aurai la vengeance de celui-là et quand j'aurai d'autres exercices tout simplement dessus pour m'entraîner quand j'aurai besoin de m'entraîner. Oui, l'erreur est entre le R2 et le R4. L'erreur est quelque part, peut-être un problème dans l'hyperroute et pas l'hyproute. Mais en plus, j'arrive même plus à accéder. J'ai dû me rater quand j'ai créé le password. J'ai dû me rater quand j'ai créé le password, du coup j'arrive même plus à y accéder. Du coup, il faudrait que j'enlève le routeur, que j'en remette un autre, que je le reconfigure entièrement, j'ai la flemme. Mais l'erreur est là. Mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée, la base d'un réseau. On va voir VMware Station avec des vrais trucs. Et vous allez voir, ça va être très très nostalgique.